Super, ça commence bien. Vous voyez ce petit village là-bas? On va aller y faire un tour et vous allez voir, il est resté dans son jus, ils ont fait zéro travaux et franchement pourtant c'est tout mignon. Allez, on va voir ça. Kaufenheim. Petite cigogne. Doit avoir son nez pas loin. Alors là, ça ressemble au village tel qu'ils étaient quand j'étais tout gamin. C'est-à-dire fin des années 70 et début des années 80. Ouais, j'ai dit, ils ont fait aucun travaux. La route, elle est nickel. Hein. Alors en même temps, c'est minuscule. Que des vieilles maisons à colombage dans le centre. Bien entretenues. Là, sans nul doute que dès qu'il y a une rénovation, les architectes des bâtiments de France, ils viennent mettre leur grain de sel. Hein. Fort du Croc Mondelsheim. Prenons la route par D37. Alors, je savais pas que dans un endroit vraiment tout près, je sais pas si vous voyez bien la petite route en bas derrière les arbres, j'y passe tellement souvent, j'avais jamais capté qu'il y avait un fort juste tout près et un chemin qui surplombait tout ça, vous voyez. Je sais
pas si on voit hyper bien, mais là-bas au loin, il y a la cathédrale de Strasbourg. Là-bas, il y a la grande roue de... Ah là là, comment ça s'appelle ? Shopping Promenade. Ouais, on voit méga loin. Si je retourne sur mes pas, il y a un petit ruchier associatif. Oh, le fort, il est claqué au sol, hein. Il est en travaux là. Ça sert à rien de faire des images. Une petite ruche. Sympa. Ouais, petite vue sympathique. Sur la cathédrale de Strasbourg. Depuis assez loin quand même. Bah quoi, petite 10 km. Je sais pas, kiff. Hein. Voilà, voilà. Allez, on selle. Fait chier ces trucs pour les vélos. Là. Petit quartier riche de la Vanzeno, le domaine du golf. Alors ici, il y a pas mal genre de médecins, d'avocats. Ah, je commence par le côté le moins chic. La particularité de ce quartier, c'est que il est assez grand, il est à l'extérieur du village, et il n'y a qu'une seule entrée, qu'une seule sortie, à part la piste cyclable. A priori, c'est fait pour décourager les cambrioleurs. Ils savent que ils ont vite fait de se faire cerner là-dedans. Voilà, c'est pas parce que c'est chic qu'on est à l'abri du mauvais goût, hein, comme vous avez pu le constater. Mais bon, hein, chacun son délire. Il y a quand même des immeubles avec une petite porte de garage pour accéder au parking qui se trouve à l'arrière. C'est bien sécurisé. Hein. Maintenant, on va aller du côté un peu plus chicos. Là, vous voyez déjà, les maisons sont vachement plus reculées, plus cachées. Petite cascade carrément, ouais. Une maison canadienne, pas comme le Canada mais comme les tentes. Ah ouais, stylé. Hein, l'Elysée, c'est là alors, ok. Et voilà, on a fait tout le tour du domaine du golf. Et voilà. Allez les amis, suite au prochain numéro. Allez vous faire foutre. Pourquoi je dis ça, il y a des scooters.
T'as le bouchon qui fait avec sa caisse de merde là. Ah, fais chier, putain, échec. C'est bien la première fois que j'oublie la carte bleue, putain. Bon, j'ai du liquide, mais tu peux pas payer en liquide. Casse-couille. Casse-couille. Putain, je vais chercher de l'essence, j'ai pas la carte. Bon, c'est pas grave, j'en chercherai demain après le taf.